Et de ses freins, lui. Tu fais quoi, frérot? Hein? Tu fais quoi? T'inquiète, t'inquiète, je lui enlève les freins. Je coupe les freins. Le mec, tu fasses des sous, mais c'est dangereux, poteau. Hein. Lui, une accélération avec une meuf, tu vas voir. Il va m'appeler, il va rentrer dans le mur. Ça va, frérot, c'est pour le Golf 8, là, s'il te plaît, mon ref, je suis venu pour le R. T'es venu pour le Golf 8 R? Ouais, s'il te plaît, c'est ouais. Toi? Ouais. Ouais, y'a pas de soucis. Bah écoute, la voiture, elle est là. Ouais. Tu sais comment ça se passe, hein? Comment? La caution, c'est bon. Ouais. T'as vu avec mon associé, c'est bon, tu lui as donné. En S? Ouais, en espèce. La voiture, là, elle est lavée et tout. Elle est dans un état nickel, y a le plein, tu la ramènes juste avec le plein. Pas de galère, pas de tout ça et surtout pas de ça. Tu vois ça, là? Ok, vas-y. Voilà. Bon, bah les gars, départ du Golf 8 R, retour demain. Hakim, c'est bon, tu peux déjà bloquer la caution du 8R. Elle est à nous, c'est bon. Hein. Allô? Ah, j'ai pas compris. Ouais, oula, ma voiture freine plus. Oula, je suis rentré dans le mur. Comment ça, t'es rentré dans le mur? Non, toi, ça va, toi. C'est que du matériel, panique pas. C'est que du matériel. Toi, ça va, toi. Vas-y, tranquille mon frère. De toute façon, on est en famille, on va voir comment on va s'arranger. T'inquiète, on est en famille, y'a pas de soucis. C'est